Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais annoncé. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez pu voir que j'ai été frappé par une tempête de grêle qui a détruit partiellement l'armurerie. Donc là, je vais tourner exceptionnellement cette vidéo dans l'annexe. Bon, je ne prépare pas le survivalisme, quoique je vais tourner ça dans cette magnifique petite Eriba. C'est le modèle, il faudra que je vous en parle aussi, c'est extraordinaire, c'est un Allemand qui a inventé ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, je vais vous présenter une petite arme que je vous avais déjà montrée dans un short, on peut appeler ça un pistolet, hein, puisqu'on n'a pas de barillet, qui fait partie de ces armes que l'on utilise au début du XXe siècle, armes de défense, avec comme munition de la 6.35. Je vous ai déjà parlé de ces petites armes. Et je vais vous présenter ça, on va se retrouver dans l'annexe. Vous avez pu le constater, le patrol, surnommé Nanar, a bien souffert lui aussi. Alors normalement, il passe en clinique à la fin de l'année pour une peinture complète, un débosselage et une peinture complète. On attend d'avoir des débosseleurs parce que ça, c'est pareil. En France, on manque de tout et des débosseleurs aussi. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans la minuscule, toute petite surface et un tout petit volume. Mais bon, je vais vous tourner cette vidéo dans cette petite annexe. Alors j'ai préparé, c'est la première fois que je vous montre l'envers du décor. Ça, c'est mon écran de retour pour vous faire des détails qui soient nets. Donc il faut toujours que je puisse contrôler. Là, j'ai préparé le plateau de tournage. Bon, un petit peu de texte pour le scénario. Le système qui va me permettre de filmer. Et là, je vous ai préparé aussi des armes qui vont me servir sur la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, le thème de la prochaine vidéo, c'est les armes western des années 50, avec forcément le Colt et la carabine à levier Sauger. On se retrouve tout de suite, le temps de fixer la caméra. Voilà, je me suis mis sur la table de tournage. Je vais pouvoir vous parler de ce petit pistolet. On va appeler ça un pistolet. C'est un peu particulier avec ses quatre canons qui arrive en 1907. Il est breveté en 1906. Vous savez que c'est l'époque où toutes les armuriers se mettent à fabriquer des petits pistolets, des petits revolvers avec des petits calibres, puisqu'on est sur de la munition 6.35, c'est-à-dire qu'on considère que cette munition n'est pas létale. Donc ça permet de l'utiliser pour la défense, ce qui fait que ces armes-là sont en vente libre, et ces munitions aussi. Bon, il y a quelques pertes, comme on dit. On autorise la population à utiliser ces armes pour se défendre, étant donné que les forces de l'ordre, la police montée à l'époque et les gendarmes n'étaient pas suffisamment nombreux. On était en pleine ébullition mondiale. On sentait vraiment que quelque chose allait se passer. Bon, ça, on arrivera à la Première Guerre mondiale, à 1914, mais déjà, les mouvements étaient très, très durs. On a eu la crise de 29 après, mais à l'époque, déjà, il y avait quelque chose de très compliqué, avec des révolutions, avec des agressions permanentes, c'est-à-dire que ce que l'on vit aujourd'hui, relaté par les différents médias 24 heures sur 24, je dirais qu'à l'époque, c'était monnaie courante, c'était pratiquement en permanence. Donc la population, pour se défendre, utilisait ces petites armes. Alors c'est vrai qu'une 6.35, ça ne paraît pas être très dangereux, et c'était considéré comme non létal. Alors c'est vrai que si, ça dépend où vous tirez, mais généralement, si vous voulez, ces armes-là étaient faites pour tirer dans les genoux. Donc il suffisait de viser bien la rotule pour que votre agresseur soit momentanément hors de nuire. Vous voyez ce que je veux dire? Puis vous en restez toujours une pour mettre dans la deuxième rotule. Donc c'était l'ambiance de l'époque, c'était l'ambiance de 1900, début de siècle, début de 20e siècle. Donc je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui revient par cycle et par période. C'est toujours des phénomènes qui précèdent des conflits mondiaux. J'en dirai pas plus, je vous laisse analyser ce que je viens de dire dans le calme et la sérénité. Et donc, si vous voulez, ce petit pistolet,
fait partie de toutes les inventions, et tous les armuriers dignes de ce nom veulent absolument fabriquer leur petit pistolet. Ils veulent tous marquer un peu leur passage. Et Auguste Schuller, qui est né en 1854, va travailler alors au départ sur des fusils, le fameux fusil Hercule qui va être chaussé avec de la 1143 qu'on appellera aussi la 500 Nitro. C'était l'époque des safaris en Afrique. La bourgeoisie européenne occidentale se payait le luxe d'aller tuer lions, zèbres, rhinocéros et éléphants. C'était le massacre des innocents, et tout ça simplement parce que certains privilégiés avaient de l'argent, donc ils se déplaçaient en safari. Alors bon, c'est pour ça que je le porte pas vraiment dans mon cœur, Auguste Schuller, parce que je suis un amoureux inconditionnel des animaux, et je connais bien les éléphants, pour les avoir un petit peu rencontrés, et je peux vous dire que une mère éléphant qui met 22 mois pour faire un petit, si elle se prend une balle, au bout de 3 jours, le petit est mort. Auguste Schuller, qui est installé en Allemagne, dans une région minière, mine de fer, charbon, donc tout pour vraiment être dans une région industrielle et surtout une région sidérurgique, va lui aussi se lancer sur... Alors, vous en connaissez d'autres qui étaient dans cette région, vous avez Walter, qui était à Zell-Amelis, vous avez Moser à Oberndorf, et vous avez Monsieur Fritzmann, je vous en ai parlé, hein, je vous ai présenté son mini pistolet qui n'a pas trop marché, et je vous ai fait une vidéo qui est dédiée sur cette arme-là, et c'est assez intéressant, et ils sont tous de la même région. Auguste Schuller se dit, bon, moi aussi, je vais fabriquer un 6.35. Alors, il se lance dans une fabrication un peu particulière. Si on prend un revolver, enfin un bulldog qu'on appelait à l'époque, c'est assez simple, hein. On a, si vous voulez, un barillet, on a le barillet, on a la détente qui est repliée dessous. On a ici le chien, tout ça est un peu dur. C'est... Le revolver, c'est les premiers qui arrivent chambrés en 6.35. C'est vraiment la munition de l'époque. Je vous en parle, j'ai une vidéo qui est consacrée à cette munition-là. Là, et d'autres qui vont fabriquer, comme Fritz Mann, des pistolets semi-automatiques avec des petits chargeurs. Là, on a un tout petit chargeur de 5 avec une munition dans la chambre, ça fait 6. Et Monsieur Schuller, lui... décide de fabriquer quelque chose de différent. On n'est pas dans le pistolet, on n'est pas dans le revolver, et il invente une usine à gaz. Alors, c'est le nom qui avait été donné par ses confrères à l'époque, quand ils ont vu arriver ce petit pistolet. Alors, ce petit pistolet, il est très très particulier. Il va fabriquer un système avec 4 canons superposés, dans une masse en acier, hein, parce que tout ça, c'est assez massif, on va dire. Carcasse et bloc canon. Sur ces blocs canons ici, ça a déjà existé, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des pistolets à l'époque qui étaient surtout utilisés dans la marine, pendant le fameux triangle d'or, pour éviter les mutineries. Alors, on avait des canons en pattes d'oie, on en avait 5, 6 ou 7. On chargeait ça avec de la grenaille, avec un peu de tout, et ça permettait d'arroser. Alors ça n'avait aucune précision, si vous voulez, mais c'est juste pour arrêter une mutinerie. Quand vous avez un groupe de 20 ou 25 qui fonce dessus, vous arrosez avec ça, bon, il y a quelques-uns qui tombent et ça calme les autres. Donc ça, il reprend un peu le concept. Alors ce sont des armes du 18e siècle, pratiquement, qui ont ces canons, ces différents canons superposés. Et il va travailler sur quelque chose d'un peu particulier. Là, on est toujours chaussé en 6.35. Et il va reprendre le système qui est utilisé sur les revolvers, c'est-à-dire en fait le doigt élévateur que l'on voit ici, pour qu'à chaque fois que l'on appuie sur la détente, le doigt se lève et entraîne par cette petite crémaillère qui est ici le bloc canon. Donc on en a 4 ici, on a 4 crans pour chaque mouvement. Donc c'est assez simple, hein. On voit ici le percuteur et on voit un trou sphérique qui est ici, qui en fait est utilisé pour bloquer la petite bille qui est ici,
pour permettre de cranter à chaque fois en face du canon. Donc le principe est assez simple, mais il fallait le faire. Alors quand on met en place le bloc canon, donc on a une rainure ici, rectangulaire. Si on regarde un petit peu le bloc canon, on n'a pas grand chose, hein, on a breveté DRP avec le numéro 177023 et l'aigle impérial qui se trouve dessus. On est toujours sous l'Empire. On a le N ici couronné d'ailleurs aussi, hein, qui précise bien qu'on est sous l'Empire, et l'aigle impérial, pour simplement préciser que les vérifications en charge ont été faites. Autrement, on a un numéro de série dessous. Le 7948 que l'on retrouve sous la crosse, ici 2948 avec un numéro qui est le numéro 3. C'est ce que je vous expliquais sur la fabrication des armes allemandes, que ce soit le Luger, que ce soit le Walther, on a toujours des séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'à chaque fin de série, on change l'outillage pour éviter justement qu'on ait des défauts d'usinage et qu'on soit parfait au niveau des codes et des tolérances. Sur la carcasse, on n'a pratiquement aucun poinçon. On a le numéro de série qui est ici. Sur la plaquette, on a le nom, Réforme Pistole, breveté. On a la petite sécurité qui se trouve ici. On n'a rien de marqué d'ailleurs. On n'a même pas marqué feu ou sécurité. C'est très simple. Quand on enclenche la sécurité, on vient simplement bloquer le marteau. Au niveau de bloc canon, on a le dépôt de brevet. Ce petit axe qui est monté avec un ressort ici, d'ailleurs, on a une petite vis, toute petite vis ici avec le ressort, hein, qui permet de mettre en place la butée de ce petit axe. Au niveau des organes de visée, on a une rainure et un petit guidon fixe usiné dans la masse. Alors, ces canons sont usinés dans la masse. On a un bloc d'acier, en fait, et on utilise des fraises. On n'a pas de soudure ici, on utilise des fraises pour rainurer de chaque côté. C'est quand même un gros travail d'usinage. C'est assez bien fait, hein, pour voir que ça date de 1906. On peut dire quand même que la qualité est là. Là, c'est la même chose. On a usiné ici le bloc complet. Hein. C'est vraiment de l'usinage assez simple, mais... ça fonctionne, ça fonctionne. Alors une fois qu'on assemble donc ce bloc canon ici, à chaque fois qu'on a, alors on est en double action, en simple et double action, à chaque fois que l'on appuie sur la détente, on lève le chien, et le fait de lever ici, on monte d'un cran. C'est-à-dire qu'en fait ici, on a le premier canon qui est en face du percuteur, ici. Au deuxième cran, on va lever le canon encore. On va aligner le deuxième canon et on va éjecter l'étui du premier tir. C'est ça, en fait, son brevet. August Schuller cherchait à breveter son petit pistolet. Il ne savait pas par où s'y prendre. Hein. On ne peut pas breveter les canons parce que les canons, ça existe depuis des siècles. La carcasse, ben, y a rien de particulier. Hein. On a une détente, on a un marteau, on a un chien, on a... Qu'est-ce qu'on peut breveter là-dessus? Rien. Donc ce que lui veut breveter, c'est l'éjection des étuis. Vous comprendrez tout de suite pourquoi d'ailleurs il éjecte les étuis. Et donc il va utiliser le système de l'empreinte gaz. Alors il va faire dans ses canons des trous qui vont communiquer entre chaque canon. Alors ça c'est assez extraordinaire. On a des trous de communication dans les canons ici qui permettent au gaz... d'éjecter l'étui. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'ogive n'est pas totalement sortie, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une ogive qui est à peu près à ce niveau-là, hein, puisque les trous sont à 1 cm à peu près du bord, l'ogive n'est pas totalement sortie, et le gaz qui reste dans le canon va passer par le petit trou qui est là. Alors il va passer par le petit trou du haut et par le petit trou du bas. C'est pour ça qu'on voit des flammes un peu partout quand on tire, et il va éjecter l'étui. Et ça, c'est quelque chose qui va breveter, c'est ce fameux brevet DRP 177023. Alors, c'est vrai que c'est assez pratique, parce que
Les organes de visée étant au-dessus, à chaque fois que l'on tire, on monte tout le bloc canon. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout aligné par rapport au tir, puisqu'on monte d'un cran à chaque fois. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser le canon. C'est des canons qui sont très très bien faits, avec une chambre et un nuage. Ils sont parfaits, ces canons. Enfin, sur cet exemplaire que j'ai récupéré, il n'a pas énormément tiré. Je me demande même s'il a tiré. On a quelque chose de parfait. Donc on peut utiliser ce canon-là pour viser, une fois qu'on a tiré, la première munition. Alors, bon, c'est assez précis, d'ailleurs. Un peu comme un dioptre sur une carabine. Et on remonte d'un cran pour avoir le troisième canon en face du percuteur. Jusqu'au quatrième. Donc là, on éjecte. Hein, on a éjecté les trois munitions qui sont là, à part la quatrième qui ne sera pas éjectée, puisqu'on n'a plus de gaz, puisqu'on n'a plus de munitions, qui va rester dans le bloc canon. La sécurité, et là, on est bloqué. Donc voilà ce qu'il invente, notre petit père Schuller. Alors son pistolet n'a pas vraiment marché. On a quelques séries qui ont été fabriquées. La fabrication démarre en 1906, 1907 même, et va s'arrêter en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Alors ce sont des armes qui étaient utilisées bizarrement pendant la Première Guerre mondiale. Tous ces petits 6.35, cette munition en particulier. Alors c'était pas du tout pour apeurer l'ennemi ou tirer sur l'ennemi ou tirer d'une tranchée à l'autre. C'était juste pour avoir une arme sur soi suffisamment petite pour pouvoir, si vous voulez, quand vous vous retrouviez dans ce qu'on appelle le no man's land, c'est-à-dire entre les deux tranchées ennemies, allemandes et françaises, et que vous aviez plus de jambes par exemple, ça vous permettait de ne pas agonir pendant toute la nuit. Donc vous aviez votre petit 6.35 pour réduire les souffrances. Ça, c'est juste une anecdote, hein, mais bon, ça a été confirmé par les historiens. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce Schuller, sur ce August Schuller qui invente ce pistolet. Comme quoi, à l'époque, on est très friand de nouveautés, on veut fabriquer, on veut avoir des nouveautés qui arrivent. Et alors là, lui, il dépose un brevet. Alors le dépôt de brevet, c'est très particulier. Moi, j'ai déjà déposé des brevets, je peux vous garantir que c'est un casse-tête. Hein, parce que déposer un brevet, on ne sait pas où déposer un brevet. Et là, vous pouvez pas déposer un brevet sur quatre canons. Le fait que les canons y montent, la carcasse, le chien, le percuteur, la sécurité. Il n'y a rien à breveter. Donc en fait, il faut trouver l'astuce. Et lui, il brevette, il va breveter son pistolet sur l'empreinte gaz qui est fait dans les canons. Alors pour vous donner une idée un petit peu imagée du brevet, je vais vous faire juste un petit crowbar. Vous savez que j'aime bien faire les petits crowbars pour expliquer les trucs. Vous connaissez tous la planche à voile, hein, vous avez tous... l'inventeur de la planche à voile, ça date... des années 75, 70 même, il part sur un concept simple, hein, il a une planche et il a un mât. D'accord, bon, là, jusqu'à présent, rien de particulier. Il va rajouter une voile, hein, alors avec un système pour pouvoir la piloter. Là, il n'y a rien à breveter. Le bateau, il existe depuis l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient déjà pour déplacer les pierres, comme la voile et le mât, donc là, rien à breveter. Par contre, lui, il sait que le mât, ici, doit être articulé autour de la planche. Donc là, il va bricoler un truc, et à l'époque, il bricole, moi j'ai vu des planches à voile dans les années 80, c'était des cardans en bois. On avait des systèmes tout bêtes avec des cardans comme ça, et là sur la planche, et là sur le mât. Et on avait un mât qui était articulé par rapport au bateau. Et il dépose le brevet là-dessus. Et tous les fabricants de planches à voile, à partir du moment où ils ont un mât articulé, quel que soit le système, que ce soit un cylindre en bloc, un cardan,
un ressort, et je sais, vont être obligés de passer par son brevet. Donc, bon, ça n'a pas tenu très longtemps, hein, parce que les brevets, à l'époque, étaient partis pour quelques années. Aujourd'hui, c'est même plus la peine de déposer un brevet, puisque vous fabriquez quelque chose. 6 mois après, c'est fabriqué dans un autre pays, loin, hein, du côté de l'Asie, là-bas. Brevet ou pas brevet, ils s'en foutent, hein, c'est pas leur problème. Ils fabriquent exactement une copie conforme. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, prochaine vidéo, parce que c'est vrai que je vous ai laissé quelques mois, voire quelques années sans trop de vidéos, mais bon, j'ai eu quand même pas mal de bricoles, avec tout ce qui s'est passé, c'était le virus, et puis maintenant, c'est la guerre. Prochaine vidéo, je vais vous parler d'armes western, c'est-à-dire qu'on va partir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on va partir à Hollywood, au cinéma, et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de films de guerre, beaucoup de films noirs, comme entre les deux guerres, et dans les années 50, Hollywood décide de faire du film d'aventure, ce qu'on va dire, hein, mais le western en fait partie, c'est-à-dire qu'en fait, la population mondiale avait envie... de souffler un peu et de prendre l'air, quoi. On va rentrer dans les 30 glorieuses. Et au niveau des armes, et au niveau du cinéma, on va partir sur des grandes aventures, la traversée des États-Unis avec des chariots. C'était le début du off-road, hein. C'est pour ça que je vous en parle au début de ma vidéo, parce que c'est une autre de mes passions. J'ai fait pas mal de traversées en Afrique avec des 4x4 aménagés. Bon, aujourd'hui, je me suis un peu calmé parce qu'avec l'âge, il y a certains endroits où j'irai plus. Mais je dirais que même l'Afrique en général, c'est plus possible. Moi, je partais d'Oran en Algérie et je descendais au Mali, au Niger, au Bénin... En Côte d'Ivoire, enfin, on voyageait, c'était l'aventure, c'était extraordinaire, c'était juste au début du Paris-Dakar d'ailleurs, c'était assez marrant quand on les croisait, parce que nous on avait un véhicule entièrement aménagé, eux ils avaient carrément des camions, des assistances, des machins, des trucs. C'est pour ça que je vous ai mis ça au début du film, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément obligé de comprendre pourquoi. Donc là, si vous voulez... On va partir sur les armes western. Alors les armes western, on passera forcément par le Colt. Je vous parlerai de ce Colt qui est un Herbert Schmitt, encore un Allemand. Et oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon, encore un Allemand qui fabrique cette arme-là. Je vous en parlerai parce que celui-là, il a survécu aux modifications de la législation sur les armes quelques années. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un 6-coups. Il s'est transformé en monocoup. Et bon, il a disparu complètement, puisque là, il est en monocoup, en catégorie B. Vous imaginez bien que personne ne va mettre une catégorie B sur un monocoup 22 Long Rifle de cette époque-là, sauf si on est vraiment amoureux, quoi, des collectionneurs. Je vous parlerai un petit peu de ce revolver, et je vous parlerai aussi des carabines à levier sous garde. J'ai une petite Winchester des années 75, non bridée, comme on les vendait à l'époque, sur simple présentation de carte d'identité, et une 44 Magnum non bridée aussi. Donc je vous montrerai ces armes, puisque la législation a évolué, vous savez exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la législation. Je tenais aussi à remercier toute la communauté, ceux qui me suivent, hein, qui me suivent et qui m'encouragent, qui me remercie et qui m'ont souhaité bonne santé à une époque où c'était un peu compliqué. Je vous dis à très bientôt. Alors je vous fais pas une promesse en l'air, hein. Je reprends les vidéos, vous avez vu, je me suis adapté, j'ai trouvé un petit endroit pour faire les vidéos qui est très sympa.